Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. J'ouvre cette séance extraordinaire du Conseil municipal de la ville de Lancy du 28 mai 2020. Je salue la présence de Monsieur le maire Stéphane Lorenzini, Messieurs les conseillers administratifs Frédéric Renvet et Damien Bonfanti, Madame la secrétaire générale, Madame la secrétaire du Conseil municipal. Comme vous le savez, nous sommes en séance extraordinaire. Il n'y aura donc pas la présence du public ni des médias ce soir. Toutefois, la séance est diffusée sur Internet via le site officiel de la ville de Lancy et sa page Facebook. Notre ordre du jour a été validé par le Conseil d'État ainsi que le concept sanitaire qui nous permet de siéger. Nous ne pourrons donc traiter que les points qui figurent à l'ordre du jour. Il ne sera pas possible donc de procéder à des ajouts. Le bureau vous informe également qu'il a autorisé Madame Karina Lorenzini du journal Le Lancéen à prendre quelques photos durant cette séance. Et je me dois d'excuser Monsieur Thierry Francioli. Nous sommes donc 36 présents, sauf erreur, et je crois que sinon tout le monde est là. Alors Monsieur Mauguet, Monsieur Fontaine. Monsieur Fontaine, oui. Monsieur Mauguet, pas. Alors je ne sais pas si Alain, tu as... D'accord, nous sommes donc a priori 35. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu. Précisons encore que les délais référendaires étant suspendus, le bureau propose d'inclure la clause d'urgence à l'ensemble des votes décisionnels de ce soir, et donc qui impliquera une majorité qualifiée des 2/3 d'entre nous. Mesdames et messieurs, la situation présente et cette séance sont extraordinaires à plus d'un titre. Nous vivons une période étrange, angoissante, qui nous demande de nous adapter, de nous réinventer vite, de questionner et de changer certaines de nos habitudes. La présence au Petit Lancy est exceptionnelle à ce titre. Cette crise est ainsi l'occasion de nous retrouver dans un ancrage plus local pour des relations humaines, pour la consommation de produits locaux, en favorisant tant que faire se peut nos petites et moyennes entreprises et nos services de proximité, de faire preuve de solidarité et d'entraide. Je tiens à assurer ici le plein soutien au nom du Conseil municipal à l'ensemble des femmes et des hommes qui agissent jour après jour depuis le début de cette crise pour permettre à l'ensemble de la population de la traverser de la meilleure des manières possibles, dans la santé, l'alimentaire, la sécurité, bien évidemment aussi au personnel de l'administration municipale qui a œuvré et agi encore au service des Lancéennes et des Lancéens durant cette période en assurant le service public et le plan de solidarité communale. Nous avons également ce soir une pensée particulière pour toutes les personnes et les familles touchées directement dans leur santé ou dans leurs revenus par ce virus. Cette dernière séance de cette législature 2015-2020, nous avons toutes et tous voulu la tenir en présentiel, en prenant bien évidemment toutes les précautions pour ne mettre en danger personne, notamment en respectant les normes de l'EFSP concernant la distance sociale et l'hygiène des mains. Je remercie l'administration municipale et en particulier toutes les personnes qui ont œuvré à l'installation de cette salle pour permettre cette séance extraordinaire. Une fin de législature, c'est l'occasion de faire un bilan de nos travaux, de ce que nous avons pu apporter aux citoyennes et aux citoyens. Et je tiens ici en particulier à remercier le conseil administratif et l'ensemble des élus du conseil municipal pour le travail accompli et la bonne tenue de nos séances tout au long de ces 5 années. Nos finances sont saines et bien que la crise actuelle et les effets de RFFA nous amènent à une certaine prudence dans nos dépenses à venir, il apparaît que des investissements ont pu être réalisés pour le développement de notre commune et de sa qualité de vie, par la création de logements à prix abordable, par des équipements publics tels que des crèches, des écoles, des équipements sportifs, culturels et sociaux, des rénovations de bâtiments permettant une meilleure efficience énergétique, la préservation de la nature et l'accessibilité universelle notamment. Au nom du conseil municipal, je remercie le conseil administratif sortant pour son excellente gestion de la commune lors de cette législature. Félicitations à Damien Bonfanti pour sa brillante réélection le 15 mars dernier. Et nous disons merci et plein succès pour la suite à Frédéric Renvet et Stéphane Lorenzini qui terminent leur mandat. Je tiens également à féliciter les nouvelles et nouveaux élus qui prêteront serment le 2 juin, mardi prochain. Saluer les sortants et les sortantes non réélus ou ne s'étant pas représentés en leur souhaitant le meilleur. Et en rappelant enfin l'importance de l'échelon communal pour la démocratie, l'écoute, la concertation des citoyennes et des citoyens et l'action efficace et de proximité que cela permet. Vive Lancy, vive Genève, vive la Suisse. Nous pouvons donc ouvrir notre ordre du jour. Merci beaucoup. Nous pouvons ouvrir notre ordre du jour au point 1 avec son approbation. Comme ça a été signalé, nous ne pouvons pas procéder à des ajouts. Y a-t-il des commentaires sur cet ordre du jour ? Ça ne semble pas être le cas. Je vais donc le faire voter. Celles et ceux qui l'acceptent veulent bien lever la main. Et il me semble que c'est l'unanimité. Je vous en remercie. Point 2, approbation du procès-verbal de la séance du 27 février 2020. Y a-t-il des remarques sur ce procès-verbal? Ça ne semble pas être le cas. Je vous propose donc de l'approuver à main levée. Celles et ceux qui l'acceptent. Je crois que c'est également l'unanimité. Merci beaucoup. Point 3, communication du Conseil administratif, point de situation sur le Covid-19, un point qui a été également imposé par le Conseil d'État, mais qui vous intéresse, j'en suis sûr, toutes et tous au plus haut point. Et je passe la parole à notre maire, M. Lorenzini. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif a quelques communications, et puis évidemment, le menu principal sera le point de situation sur le Covid. Le premier consiste à vous informer que vous avez tous trouvé sur vos tables le recueil annuel compte rendu administratif et financier 2019. Ce document vous permet de prendre connaissance finalement de l'entier de l'activité de l'administration municipale, de votre activité également, puisque vous y figurez en bonne place avec les décisions prises, les compositions des différentes commissions. Ce compte rendu administratif est également illustré pour vous permettre de garder un souvenir des activités écoulées en 2019. Le deuxième point est une information concernant la problématique liée à l'approbation des comptes, des crédits budgétaires supplémentaires de la commune de Lancy et des comptes des fondations communales, des deux fondations communales immobilières, celle de la FCLPA et la FCIL, puisqu'il y a eu quelques allers-retours par rapport à cela sur la méthode à appliquer. Suite à une directive du Conseil d'État, il en résulte que les comptes 2019 des communes genevoises ainsi que les crédits budgétaires supplémentaires 2019 ne feront pas l'objet d'une approbation du Conseil municipal et ne feront pas non plus l'objet d'une délibération du Conseil administratif. Ils sont simplement envoyés, c'est déjà réalisé, avant la date d'échéance qui était le 15 juin, au service de surveillance des communes, qui procédera elle-même à l'approbation de ces documents. Concernant les comptes des deux fondations immobilières de la ville de Lancy, par contre, il y aura la nécessité, contrairement à ce qu'on avait cru comprendre, d'une délibération du Conseil municipal. Donc ces sujets ont été traités en commission, mais ils devront revenir à la prochaine législature formellement pour être votés par le Conseil municipal. L'avantage sera quand même qu'ils ont été traités par la législature en cours et le délai pour réaliser cela est prolongé jusqu'à fin 2020. Voilà, je vais passer à les informations relatives au Covid. L'idée est de vous présenter service par service un état de situation qui passe tant les démarches qui ont été effectuées pendant la crise que celles qui sont plus récemment mises en œuvre pour gérer les semaines et mois à venir. On commence par le secrétariat général au niveau du personnel. En concertation avec le conseil administratif, la secrétaire générale et les chefs de service ont pris diverses dispositions pour protéger l'ensemble des collaborateurs de la ville de Lancy des risques liés à la pandémie. C'est ainsi que la plupart des employés, dont la présence sur le lieu de travail a été jugée non indispensable, ont pu se mettre en télétravail ou simplement renvoyer chez eux dès l'entrée en vigueur des mesures de confinement. D'autres encore ont été affectés provisoirement à d'autres missions que celles effectuées habituellement. La présence sur le lieu de travail s'est faite parfois en alternance pour éviter les contacts entre les collaborateurs. Une attention particulière a été portée aux personnes dites vulnérables. Cette situation a nécessité un engagement humain important pour gérer certains cas relativement complexes. Tous les guichets de l'administration ont été fermés au public dès le 17 mars. Un accueil téléphonique et par messagerie a toujours été assuré. L'accueil physique du public a pu reprendre le 11 mai, après la mise en place de diverses mesures de protection, marquage au sol, pose de plexiglas, fourniture de gel hydroalcoolique, gants, etc. Actuellement, le télétravail en alternance est toujours favorisé pour les personnes qui partagent le même bureau, de façon à éviter les contacts prolongés. Au niveau des manifestations organisées par le secrétariat général, les manifestations suivantes ont été annulées. La réception des nouveaux citoyens, la remise du mérite de Lancy, la réception des sociétés communales, la soirée des anciens présidents du conseil municipal L'inauguration de la promenade Nicolas Bouvier, la fête des écoles a également dû être annulée. Les séances de commission et du conseil municipal, comme vous le savez, ont été supprimées de mars et avril. Pour l'état civil, la plupart des mariages ont également été reportés à des temps meilleurs, même si certaines célébrations ont tout de même été maintenues avec une assemblée réduite aux époux, témoins, ainsi que l'officier d'état civil, soit 5 personnes autorisées. Toutes les autres prestations en matière d'état civil ont été maintenues. Au niveau de la réception, une forte demande de remboursement des cartes journalières CFF s'est manifestée. Le conseil administratif a répondu positivement à ces remboursements. En conclusion, beaucoup d'actions totalement inédites ont dû être entreprises, nécessitant des adaptations au fur et à mesure des décisions, parfois contradictoires, prises tant par la Confédération que le canton. Le service de la culture... La suppression ou le report d'événements, des événements ou manifestations tels que Méoparc, la Journée des entreprises, la Fête de la musique, le Festival Lancy-Tennessee, le Festival FIFDH, divers spectacles, animations à la bibliothèque, l'exposition des artistes lancéens, le Festival FLEX qui devait avoir lieu dans les 2 gares de Lancy, le projet Fil 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 aux Palettes, la Villa Ormure, c'est la manifestation qui remplace suite à la fermeture de la Villa Bernasconi, ont été annulées. Certaines d'entre elles ont été repoussées, puisqu'il y a la possibilité d'imaginer des plus petites programmations durant cet automne. La bibliothèque et les centres d'art ont été fermés dès le 16 mars. La bibliothèque a réouvert, elle, le 11 mai, avec les centres d'art également, en respectant évidemment les consignes de l'OFSP, notamment pour la bibliothèque, seul le retour des livres est possible pour l'instant. La fin du télétravail et le retour des collaboratrices et collaborateurs a commencé le 11 mai, sauf au bâtiment administratif, puisque l'open space ne permet pas de respecter les distances de 2 mètres entre les collaboratrices et collaborateurs qui procèdent à un tournus. En été 2020, une programmation exceptionnelle d'animation culturelle sur le territoire de la commune est en cours de préparation. La police municipale. Les agents et agentes n'ont jamais arrêté de travailler durant la pandémie afin d'assurer la sécurité de nos habitants. Les guichets des 2 postes ont été fermés au public dès le 17 mars. Un accueil téléphonique et par messagerie a toujours été assuré. L'accueil physique du public a pu reprendre le 11 mai après la mise en place des diverses mesures de protection. Actuellement, le service est au complet. Le Conseil d'État, en date du 20 mars 2020, a édicté un arrêté subordonnant les polices municipales du canton de Genève à la police cantonale genevoise afin de renforcer le dispositif sécuritaire mis en place depuis le 17 mars 2020. Dès lors, il a été mis en place une centrale unique pour toutes les polices municipales du canton afin de pouvoir gérer un programme de cartographie identifiant les lieux d'attroupement et avoir une vision globale des dispositions prises par les commerces afin de respecter les directives de l'OFSP. Cette stratégie a été décidée afin de faciliter le travail des chefs de corps des communes et d'avoir une gestion centralisée des informations Covid-19 par une seule entité. En août, nous avons dû adapter et élargir notre horaire de service en travaillant du lundi au dimanche. Service des travaux et de l'urbanisme. Le service a essentiellement fonctionné en télétravail, même si une présence sur place a toujours été assurée. Durant les mesures de confinement qui ont amené à la fermeture des écoles, des instructions ont été données aux concierges d'effectuer des nettoyages approfondis et de la désinfection régulière de chaque bâtiment scolaire. Pour la reprise partielle de l'enseignement le 11 mai, diverses mesures ont été mises en place dans chaque école. Bandes de marquage, fourniture de savon liquide, pulvérisateurs, etc. Les directives strictes du département de l'instruction publique ont été scrupuleusement suivies. Aération des classes, désinfection 2 fois par jour, entretien des sanitaires, etc. Parallèlement, le service a assuré les commandes et mis en place des protections nécessaires pour les bâtiments administratifs. Les chantiers ont été fermés en début de période et ont pu rouvrir progressivement, en particulier celui de l'école du Plateau, qui est extrêmement urgente, moyennant la mise en place de mesures sanitaires adéquates. À ce jour, l'ensemble des chantiers ont pu reprendre. Le service financier et de l'informatique. Les activités et les tâches des comptables ont été assurées pendant la période de semi-confinement grâce au télétravail. Par tournus, certains collaborateurs ont aussi été présents au bureau, notamment pour le scannage des factures fournisseurs et permettre leur traitement comptable. Il était notamment important d'assurer le paiement régulier aux entreprises dont une bonne partie ont été durement touchées par la crise. Également, il était primordial de garantir le paiement des salaires. Le service a en outre procédé à de nombreux versements liés au remboursement des réservations de salles ou des cartes CFF, par exemple. S'agissant des factures débiteurs, les envois de rappel ont bien évidemment été suspendus sur instruction des services et temporairement. Certains types de facturation ont été purement et simplement stoppés, comme les locations de salles ou certains loyers. Quant à la taxe professionnelle communale, le délai de remise de déclaration a été poussé à fin juin. L'envoi des bordereaux a été suspendu depuis la mi-mars. Un courrier type adressé aux sociétés concernées, signé par le conseil administratif délégué, a accompagné ces démarches. Depuis la levée progressive des mesures sanitaires édictées par le Conseil fédéral, les bordereaux sont à nouveau envoyés, moyennant un délai de paiement aménagé à 90 jours et possibilité sur demande de procéder à l'octroi de délais complémentaires. Il convient de relever la mise en œuvre rapide de l'accessibilité au télétravail pour un grand nombre de collaborateurs par la mise à disposition des outils informatiques adéquats, ceci dans le cadre d'une étroite et efficace collaboration entre le service informatique de Lancy et le SIAG. Pour le service des affaires sociales, le service a été sollicité dès le début du confinement pour la mise en œuvre du plan de solidarité communale. Dès le mardi 17 mars, il y a eu la mise en place du plan de solidarité communale, consistant à un courrier qui a été adressé aux 3500 aînés de plus de 65 ans avec numéro d'identification personnelle, ligne dédiée pour une demande d'aide liée au Covid-19, consistant aux courses, à faire des paiements, promenage de chiens, ou des problèmes liés à la solitude. Simultanément, une information a été donnée sur le site Internet, les réseaux sociaux et par le biais d'une campagne d'affichage. Une formation a été donnée aux personnes engagées dans ce plan, à savoir les collaborateurs des services des affaires sociales, des sports, de la culture, de l'environnement, ainsi que de la phase. Certains collaborateurs de ces services s'occupent des courses, d'autres des livraisons, étant précisé que les personnes contaminées sont livrées par les Samaritains. 643 courses effectuées à la Migros, 20 courses réalisées en pharmacie, des paiements faits pour 2 bénéficiaires déjà suivis, et environ 15 personnes ont reçu l'information sur la manière d'exécuter des paiements sans se rendre à un guichet postal. 15 personnes ont bénéficié de la prestation Allo Triporteur pour l'évacuation de leurs déchets. Depuis le 1er mai, il y a une baisse des demandes de courses. La deuxième phase consistera à favoriser la solidarité entre les habitants et lutter contre l'isolement en mettant en relation des bénévoles et des aînés ou des familles avec des aînés. Communication sur le site Internet, réseaux sociaux et campagnes d'affichage en collaboration avec les TSHM. Un partenariat entre les délégués aux aînés et Viva, le CAD et le Club des aînés de Lancy. Nous avons reçu de nombreux appels de proches et de concierges qui s'inquiétaient de l'isolement social de certains aînés. Les assistants sociaux ont pris le relais afin de renouer contact et proposer des solutions à ces personnes. Des courriers ont été envoyés aux concierges, des affiches ont été posées dans les allées, une communication a été faite afin de favoriser la solidarité entre les habitants et lutter contre l'isolement. 25 binômes ont pu être mis en place entre des familles bénévoles et des aînés bénévoles. 30 personnes non encore connues du service du bénévolat ont proposé leur aide spontanément dans le cadre du SPC. Lien téléphonique régulier avec les aînés habituellement inscrits au coin gourmand. Pour l'été, une réflexion est en cours en collaboration interservices coordonnée par le service des affaires sociales et du logement sur des activités et animations pour les familles et les aînés durant l'été en respectant les règles sanitaires. L'épicerie solidaire, il y a une augmentation de 10 à 15% des distributions. Habituellement, 40 à 50 familles bénéficient de l'épicerie solidaire. Nous sommes actuellement à 55 familles bénéficiaires. Service de l'environnement. En premier lieu, le service de l'environnement s'est organisé dès le premier jour de confinement afin de garantir la mise en place d'une signalétique de sensibilisation dans l'ensemble des locaux, la mise en place de savons dans tous les lieux de passage, la mise à disposition de chaque collaborateur du service du matériel de protection personnelle, la mise en place d'horaires décalés pour les collaborateurs du service permettant de limiter la réunion d'un trop grand nombre de personnes, la formation et la sensibilisation de l'ensemble des cadres du service et des gestes barrières, l'établissement d'un suivi des équipes permettant une traçabilité des groupes en relation avec une possible infection, l'intégration dans une deuxième étape des collaborateurs dits vulnérables ou à risque selon un protocole spécifique. En l'état, 2 personnes n'ont pas pu encore rejoindre les effectifs. La participation aux séances de suivi avec les cadres supérieurs et intermédiaires sur le partage de l'application des dites mesures. Les tâches spécifiques. L'équipe des manifestations a été sollicitée pour des tâches inhérentes au plan de solidarité et autres tâches visant à accompagner la mise en place de mesures spécifiques de protection des autres services, à l'image de l'aide à l'épicerie solidaire ou encore à la bibliothèque municipale. L'équipe de nettoyage, balayage a assuré en sus de ces tâches normales le maintien de la signalétique informant de l'interdiction d'usage de certains lieux publics tels que les places de jeu, les terrains multisports. Afin d'accompagner le retour des écoliers, dans les établissements primaires, dans les infrastructures scolaires, notre service, en collaboration avec les directrices et directeurs des établissements scolaires Lancéen, a réalisé un concept de protection de l'environnement extérieur des écoles. La mise en œuvre de celui-ci a été mise en place dans l'ensemble des préaux et périmètres de notre école, marquage au sol, chemin d'entrée et de sortie, mise en place de signalisation visant à informer les parents et les ayants droit à pénétrer dans le périmètre. La section logistique et gestion des déchets a établi une communication pour l'ensemble des habitants visant à informer de l'abandon des levées d'encombrants sur décision du Conseil d'État, tout en assurant une évacuation des dits déchets présents malgré tout ponctuellement dans nos rues. En parallèle, des mesures spécifiques de désinfection ont été mises en place sur l'ensemble des mobiliers des écopoints communaux. Enfin, une signalétique visant à sensibiliser sur les gestes barrières, les usages des transports publics a été mise en place sur l'ensemble des abribus. En conclusion, notre service a maintenu continuellement en service extérieur minimum, étant précisé que toutes les fonctions dites administratives ont été assumées par télétravail. Beaucoup de tâches singulières et urgentes ont été mises en place en partenariat avec le service d'affaires sociales, la police municipale et le service de protection de la population, afin de répondre aux sollicitations liées aux décisions de la Confédération et du Conseil d'État. Service des sports. Location de salles. Suite à l'interdiction de rassemblement de plus de 5 personnes, les locations ont été annulées par téléphone en plusieurs étapes. À ce jour, les locations sont annulées jusqu'au 30 juin 2020. Au total, 178 locations ont été annulées à cause du Covid-19. Le service a procédé au remboursement des frais de location. Il en a été de même pour les locaux de musique. Piscine de Marignac, la piscine n'a pas réouvert ses portes le 1er avril, pour terminer sa première saison hivernale. Initialement prévue le 1er mai, la saison estivale ne commencera que le 20 juin pour le public. Une ouverture anticipée pour les clubs sportifs pourrait être envisagée pour le 6 juin prochain. Association sportive, le service des sports a tenu régulièrement informer l'ensemble des sociétés sportives de l'évolution des mesures fédérales prises via des ordonnances. Ainsi, le 13 mars 2020, les sociétés sportives ont été informées de la fermeture de toutes les infrastructures sportives. Toutes les manifestations prévues ont donc été annulées, soit reportées. Le 6 avril 2020, toutes les associations sportives ont été informées de la marche à suivre pour soumettre une demande de soutien auprès du Fonds du sport et des collectivités publiques du canton et de la ville de Genève. Le 30 avril, les associations sportives sont informées de l'autorisation de reprendre les entraînements sportifs dès le 11 mai, à la condition que la fédération sportive ou l'association ait établi un plan de protection et les soumis au service du sport. Depuis cette date, les associations transmettent leur plan de protection et les réouvertures s'enchaînent. Les décisions prises le 27 mai par le Conseil fédéral vont dans ce sens, soit en retour à la normale de la pratique sportive. Les travaux sur les sites sportifs, les entreprises ont pu continuer à travailler sur nos installations pour autant que les mesures d'hygiène et de distanciation sociale soient respectées. Enfin, le service de la protection et de la population. Le service de la protection et de la population a reçu la mission de la secrétaire générale de gérer la mise à disposition des moyens de protection individuelle liés à la pandémie au sein de l'administration communale. Il a été chargé au préalable et en particulier de la planification, de la préparation et de l'acquisition du matériel nécessaire. Il a mis en place des bases de planification et de continuité. Il a émis des propositions au conseil administratif et à la secrétaire générale, notamment pour les tâches ci-après, la définition des fonctions clés et leur suppléance, la formation des équipes engagées dans le plan de solidarité communale, la planification, l'acquisition et la distribution de mesures de protection individuelle pour les intervenants et le personnel de la ville de Lancy. Le service a fourni à chaque membre du personnel un flacon rechargeable de désinfectants et installé des distributeurs aux endroits stratégiques. Le chef du service a formé toutes les personnes engagées dans des missions communales sur demande de leur hiérarchie, quant à la procédure de désinfection des mains et du port du masque. Le service gère encore actuellement le suivi du réassortiment du matériel avec les fournisseurs externes afin d'assurer des stocks de réserve. La communication régulière à propos des changements et de l'évolution de la pandémie, ainsi que du soutien à la mise en œuvre des mesures recommandées par l'OFSP. Lors de la réouverture des écoles, garderies, crèches et restaurants scolaires, du matériel de protection a été distribué. Protection civile. La protection civile de Lancy-Crécy est engagée sur le plan sanitaire dans le cadre du plan ORCA-GE en soutien des organisations de protection de la population. En conclusion, beaucoup d'actions totalement inédites ont dû être entreprises nécessitant des adaptations au fur et à mesure des décisions fédérales et cantonales, parfois contradictoires. Voilà un large tour d'horizon des mesures prises par les divers services sous le pilotage du conseil administratif, qui tient ici à remercier tout particulièrement les chefs de service et l'ensemble des collaborateurs, collaboratrices et collaborateurs pour leur investissement durant cette pandémie. D'ici quelques jours, le déconfinement va passer à une nouvelle étape et certaines manifestations seront à nouveau à l'ordre du jour et devront s'organiser tout en gardant les règles d'hygiène et de distanciation sociale. J'aimerais maintenant vous communiquer quelques éléments relatifs aux incidences financières pour la ville de Lancy de cette crise. Et les éléments que je vous donne sont évidemment évolutifs et sont ceux que nous connaissons aujourd'hui. Le bilan global fait apparaître un impact financier de l'ordre de 1,1 million de manque à gagner qui se répartit de la manière suivante pour les principaux postes. Il y a eu des charges supplémentaires, principalement la charge principale d'environ 890 000 francs est liée aux crèches pour lesquelles le manque à gagner est lié au fait que les parents ont été libérés du paiement de l'écolage de leurs enfants. Ce poste reste encore en stand-by puisque nous avons fait une demande de RHT pour le personnel des associations de la petite enfance qui ne sont pas du personnel communal. Il y a eu d'abord une rentrée en matière, puis en refus, et maintenant nous sommes en phase de recours. Donc il y a un éventuel potentiel que ce montant soit amené à être diminué, voire annulé. Il y a un impact d'environ 224 000 francs liés au coût du Covid pour les mesures pour la reprise des chantiers, des revenus en moins pour 270 000 francs pour l'abandon des loyers dans les locaux commerciaux administratifs sur 2 mois, 124 000 francs de rentrée en moins à la piscine, 273 000 francs de facturation de repas scolaires auprès des parents en moins, 100 000 francs d'encaissement d'amende en moins, 41 000 francs de suppression de la taxe déchets pour les petites entreprises sur une période de quelques mois. Mais également des charges en moins. 260 000 francs d'économies liées au non-achat de repas dans les restaurants scolaires, 297 000 francs de suppression de coûts liés à l'organisation des promotions, à l'exception des bons cadeaux pour les 8P qui ont été maintenus, 250 000 francs de frais d'annulation des diverses manifestations, principalement culturelles ou festives, dans les festivals, par exemple, Méoparc, le Lancy-Tennessee, puis également les manifestations dont on a parlé tout à l'heure, comme le mérite Lancéen, les naturalisés. 80 000 francs d'économie sur les nettoyages de locaux sportifs qui n'étaient pas loués, donc pas nettoyés tous les soirs. Ce bilan arrive donc à un montant à ce jour de l'ordre de 1,1 million. Mais tout cela, évidemment, ne tient pas du tout compte de la problématique de la fiscalité, qui à ce jour est bien évidemment totalement immaîtrisable, mais qui sera à l'évidence un montant relativement conséquent, qui aura également un effet retard, puisque comme vous le savez, la fiscalité est toujours un élément, même si la fiscalité, on paye ses impôts de l'année en cours, malheureusement, il y aura des demandes de délai. L'État a donné des délais également pour que les gens rendent leur déclaration d'impôt. Donc, il y aura un effet qui risque de plutôt se faire ressentir d'ici 1, voire 2 ans. Voilà, je vous remercie de votre attention et espère avoir été relativement complet. Et mes 2 collègues et moi-même, nous tenons à disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour cet état de situation sur les effets de la COVID-19 sur les services et les finances de la commune. Le bureau a convenu de laisser deux questions par groupe. Je vous propose de procéder de la même manière que pour les questions et propositions individuelles d'habitude, c'est-à-dire de poser les questions et puis le conseil administratif procédera aux réponses après si ça convient. Qui veut démarrer la salve de questions? Oui, Monsieur Fogel. Micro. Je ne sais pas si je n'ai pas été assez attentif sur les éléments à venir. Vous avez dit que vous évoqueriez les éléments à venir. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi en fait un certain nombre d'éléments. Notamment, ce qui me préoccupe principalement, en fait, c'est ce que vous avez tous vu. La caravane de la solidarité a pris en charge la détresse financière, alimentaire d'un certain nombre de gens, sous l'égide de la ville de Genève. Et puis, ce lieu en fait, de distribution au Vernay va devoir fermer. La piscine va rouvrir. Le lieu sera peut-être plus à disposition d'ici la mi-juin. Donc, si le lieu ferme, si la caravane de la solidarité se désengage, la question c'est qu'est-ce que la ville de Lancy peut faire pour prendre le relais, sachant qu'avec les colis du cœur, en fait, on a à disposition le code postal d'un certain nombre de bénéficiaires. Donc on pourrait savoir qui sont les gens qui ont eu recours en fait, à ce soutien, qui serait 12-12 ou 12-13. Voilà. Je pense que c'est important en fait, qu'on prenne le relais. Hein. On ne peut pas simplement laisser la ville de Genève s'occuper en fait, de ces personnes-là. Merci beaucoup, Monsieur Fogel. Une autre question. Madame Carter, oui, merci. Ou pas le même micro. Je ne sais pas si le micro a fonctionné, mais je peux répéter la question. Les décès dans les EMS de Lancy. C'est bien ça. Merci. D'autres questions, Monsieur Antiche? Alors, je voulais savoir, en fait, quelles avaient été les mesures qui avaient été prises dans le cadre de la petite enfance, spécifiquement. Merci. Merci. Une autre question. Oui, Madame Benker. J'en profite pour remercier les équipes techniques qui nous permettent de retransmettre et de donner la parole aux divers conseillères et conseillers municipaux. Moi, j'aimerais poser une question. Est-ce que les personnes qui ont fait des abonnements ici à la commune, par exemple, pour le sport, comme l'aquagym, par exemple, et qu'à cette période-là, il n'y a pas eu d'aquagym, les piscines sont encore fermées, est-ce qu'ils seront remboursés ou alors on va quand même prendre ça en considération? Merci Madame Benker. Une autre question. Alors, dans quel ordre c'était? Allez-y Madame Captine. Merci, Monsieur le Président. On a effectivement une deuxième question qui a trait plutôt à la prospective. On va avoir un été assez particulier puisque, a priori, une grande majorité des habitants de la commune vont rester ici ou en tout cas pas aller très loin. Alors, vous avez mentionné, sauf erreur, une prévision particulière d'activité d'animation et il nous importerait d'en savoir un petit peu plus. Est-ce qu'effectivement la commune prévoit des manifestations particulières, bien évidemment dans le respect des mesures potentiellement qui viennent d'être édictées par la Confédération, mais des mesures particulières malgré tout pour animer un petit peu nos rues cet été. Merci. Merci Madame Captine. Y a-t-il encore d'autres questions? Ça ne semble pas être le cas. Je vous propose donc de passer aux réponses du conseil administratif. Je ne sais pas s'il y a un ordre préférable. Monsieur Renvet. Non, bah, c'est simple, elles sont toutes pour moi. Ça va être facile alors. Alors, je vous en prie. Merci. Alors, tout d'abord, par rapport à la caravane de la solidarité, donc effectivement, c'est un sujet extrêmement important aussi pour toutes les communes, notamment urbaines ou suburbaines. Donc, effectivement, dans un premier temps, nous avons été approchés, en lien d'ailleurs avec la FASE, pour tout ce qui concerne finalement la possibilité aux habitants de pouvoir donner gratuitement un certain nombre de marchandises, que ce soit alimentaire ou non alimentaire, comme ça se fait aussi régulièrement à travers des journées solidaires où on peut finalement offrir une partie de ce qu'on achète. Donc là, il y a un lien avec la FASE pour pouvoir redistribuer, si possible, dans des lieux FASE, c'est-à-dire de mieux décentraliser finalement cet accueil finalement des marchandises pour pouvoir ensuite redistribuer. Donc ça, c'est un pan. C'est effectivement donc, de permettre à la population d'offrir du matériel alimentaire ou non alimentaire donc à travers des lieux phases dans les différentes communes. Et puis ensuite, pour la redistribution, là aussi, effectivement, je crois que ça a été dit lorsque ça a été évoqué, c'est effectivement extrêmement dommageable aussi pour cette population précarisée de venir extrêmement tôt le matin, de pouvoir subir des files d'attente aussi extrêmement longues pour pouvoir obtenir un petit peu de nourriture ou de moyens. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut que ça cesse. Et donc là aussi, nous sommes en discussion avec le département de la cohésion sociale. Et l'idée qui sera mise en place par ma successeure, si elle accepte de le faire, mais j'ai été contacté aujourd'hui justement par le département. J'ai donné un accueil favorable à cette mesure. C'est effectivement là aussi de pouvoir décentraliser et donc de pouvoir permettre à un certain nombre de Lancéens de pouvoir directement venir à Lancy pour toucher cette nourriture. Et donc, là aussi, on parlait d'à peu près 500 Lancéens qui sont concernés par cette caravane à solidarité aujourd'hui, d'après nos estimations. Et donc, effectivement, bah maintenant, il s'agit de monter un projet pour faire en sorte de pouvoir accueillir ces personnes dignement sur la commune, en partenariat, comme je l'ai dit, avec le DCS pour pouvoir justement décentraliser. On l'a fait en partie pendant cette période de confinement, en partie seulement, puisque ça a été évoqué. L'épicerie solidaire aussi à Lancy a continué à fonctionner, pas dans la même échelle qui est évoquée ici. Donc c'était une échelle évidemment plus restreinte pour les Lancéens qui étaient habitués à venir à l'épicerie solidaire. Donc ça a continué, mais là ce serait de prendre une nouvelle dimension avec justement cette mesure dans la commune. Ensuite, pour les EMS à Lancy, donc, on peut se réjouir, hein, il n'y a eu aucun décès à Lancy. On a eu quelques collaborateurs qui ont été touchés dans des EMS, mais très peu. On parle de 3 ou 4 collaborateurs dont effectivement ils se sont vite remis aussi de cette maladie, fort heureusement. Donc on peut dire aussi que c'est grâce effectivement au confinement qui a été mis sur place très tôt. C'est grâce aussi effectivement à tout le travail du personnel et de la direction qui a travaillé aussi jour après jour pour permettre effectivement que le confinement non seulement se passe, mais que se passe bien, avec différentes activités aussi qui ont dû être totalement redéployées pour leur permettre aussi d'abord de conserver le lien avec leur famille, ce qui a été très difficile dans un premier temps, puisque vous le savez, toutes les visites étaient interdites. Elles sont maintenant totalement autorisées. Il y a quelques semaines en arrière, elles étaient autorisées, mais avec des mesures très drastiques. Et puis, donc, effectivement, là aussi, pouvoir les occuper, pouvoir les divertir aussi, c'était une situation qui était extrêmement difficile, tant pour le personnel que pour les habitants des EMS. Mais effectivement, nous n'avons aucun décès à déplorer sur les EMS de Lancy. Pour la petite enfance maintenant, donc, effectivement, il a fallu là aussi, tout d'abord, fermer l'essentiel des infrastructures. Donc, les garderies ont été totalement fermées. Pour les crèches, partiellement, puisqu'il y avait toujours un service minimum qui était mis en place par les différentes directions. Donc ça a bien fonctionné. Il y a eu beaucoup de discussions aussi, tant avec le service des affaires sociales qu'avec les directions de la petite enfance, pour trouver des solutions, pour faire en sorte que cet accueil minimum puisse se faire dans certaines crèches, puisque effectivement, d'avoir 1 ou 2 enfants dans une crèche n'était pas très heureux. Donc il y a eu là aussi quelques regroupements pour pouvoir accueillir ce service minimum dans un premier temps. Il a fallu aussi évidemment protéger les collaborateurs qui étaient considérés comme à risque. Il a fallu repenser aussi l'aménagement des différentes crèches. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, ce service minimum a pris un peu plus d'ampleur puisque le déconfinement s'est fait progressivement. Donc ça veut dire que là aussi, les directions d'école en partenariat, la petite enfance en partenariat avec le service d'affaires sociales a travaillé à ce déconfinement. Donc il y avait tout un catalogue de professions qui étaient donc concernées, qui ensuite ce catalogue s'est ouvert. On était d'abord dans un premier temps sur effectivement des professions qui sont considérées comme absolument nécessaires. Puis ensuite, il y a eu une extension finalement de ce type de profession pour pouvoir accueillir de plus en plus de monde. Là aussi, avec comme corollaire et difficulté, le fait qu'il y avait aussi une partie du personnel qui n'était pas là, considéré comme personnel à risque, qu'il y avait aussi des distanciations à avoir et donc un nombre de mètres carrés qui était nécessaire, et donc ça engendrait finalement un volume d'accueil qui était possible. Et aujourd'hui, donc, on arrive à une situation qui est quasiment à la normale pour la plupart des crèches, donc avec un accueil retrouvé, avec des mètres carrés qui permettent finalement, dans de plutôt bonnes conditions, de pouvoir accueillir l'essentiel des enfants. Ensuite, oui, pour les piscines ou les associations concernant les remboursements, donc en ce qui concerne les différentes piscines municipales, que ça soit effectivement, essentiellement la piscine Marignac, donc là évidemment nous travaillons aussi à comment est-ce qu'il faut faire. Donc là aussi nous n'étions pas tellement sur un remboursement, mais plutôt sur un prolongement des abonnements qui ont été pris l'année passée pour permettre finalement à tout le monde de pouvoir conserver son nombre de jours d'abonnement pour finalement les convertir dans cette année ou éventuellement même l'année prochaine. Ça, c'est une première chose. Par rapport au club, donc, on parlait d'aquagym, ce genre de choses. Ça, c'est une décision qui appartient au club. Donc nous avons pu, dès que nous avons pu, nous avons ouvert effectivement les différentes infrastructures, qu'il s'agisse donc des piscines ou des salles de sport. Donc là aussi, très vite, comme l'a dit mon collègue Stéphane Lorenzini, nous avons exigé de la part des associations un plan de déconfinement qui était d'ailleurs en lien avec les associations fêtières. Et puis ensuite, une fois ce plan validé, donc très vite, les associations ont pu réouvrir, réutiliser finalement leurs locaux. Et là aussi, pour la plupart finalement des clubs ou des associations, plutôt finalement que de devoir rembourser avec toutes les difficultés de trésorerie que ça peut engendrer, eh bien, ils préfèrent en général plutôt permettre finalement de prolonger leurs abonnements. Mais ça, c'est effectivement les clubs qui maîtrisent cette décision-là. Et puis, last but not least, effectivement, par rapport à l'été, c'est un enjeu qui est absolument fondamental, dont là aussi nous avons parlé régulièrement, tant avec la FAS qu'avec les différents acteurs pour l'été. Puisque, je l'ai dit plusieurs fois, c'est clair qu'en été, on a quand même à Lancy un très grand nombre de familles qui ne partent jamais en vacances, il faut le savoir, et qui utilisent nos infrastructures, que ce soit la piscine de Marignac, que ce soit les pataugeoires, que ce soit les parcs ou d'autres sites. Là, il faut rajouter à ces gens qui ne partent jamais en vacances pour des questions essentiellement d'ordre financier, eh bien, on aura aussi toutes les familles qui ne partiront pas parce que leurs vacances ont été annulées, parce qu'ils ont peur aussi de partir dans d'autres pays lointains, et donc ils resteront plutôt sur place. On peut imaginer en plus avoir un été caniculaire ou extrêmement chaud à défaut d'être caniculaire. Et là, effectivement, il nous faut une réponse, puisqu'on ne peut pas imaginer de dire finalement tout est fermé et qu'il n'y a que les parcs et puis débrouillez-vous. Parce que c'est aussi le risque qu'évidemment on a tout de suite pressenti avec les différentes communes aussi avec lesquelles nous avons travaillé. C'est aussi de se dire, effectivement, sans réponse et sans réponse concertée, eh bien, soit on s'achemine vers finalement une population qui se regroupe dans des parcs avec toutes les difficultés que ça peut représenter, ou au bord du lac, ou pire, au bord du Rhône, puisqu'on veut un peu de fraîcheur. Et quand on sait effectivement la force du courant, quand on sait des enfants, des petits-enfants qui n'auraient pas d'alternative et qui restent baignés, avec tous les risques pour la sécurité que ça engendre. Donc effectivement, le service d'affaires sociales a commencé à travailler avec les différents autres services pour essayer d'imaginer une programmation un peu décentralisée pendant l'été. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre de fédérer les différents acteurs. Donc on pense évidemment à la phase avec les maisons de quartier, les terrains d'aventure ou autres, dont une partie des collaborateurs sont aussi à disposition pour ce type d'activité. On pense évidemment, et mon collègue aussi l'a dit, au milieu culturel, où on a effectivement ce milieu culturel qui a été en grande difficulté avec la pandémie. On pense aussi à beaucoup finalement de chanteurs ou de gens de théâtre ou autres qui pourraient aussi se produire finalement encore une fois dans une version assez décentralisée à différents moments de la journée, à différents endroits de la commune. Et c'est un petit peu ça le challenge, c'est de travailler en collaboration encore une fois avec les différents services d'administration, avec la FASE aussi, avec les différents acteurs associatifs, pour essayer d'imaginer ensemble une programmation estivale qui soit riche, variée, diversifiée aussi dans les espaces, pour éviter d'avoir une trop grande concentration. Et c'est justement pour toutes les raisons que j'ai évoquées, cette activité qu'il va falloir déployer, qu'il va falloir réfléchir ensemble pour finalement que l'espace public ait une diffusion la plus large de la population, pour éviter les rassemblements. Et ça, c'est tout le challenge. Et je terminerai aussi avec les piscines. Vous avez peut-être vu aussi dans la presse, c'était aussi un gros challenge pour nous, piscines et pataugeoires. C'était de pouvoir aussi les ouvrir et les ouvrir de manière concertée. Donc toute la discussion était justement de pouvoir offrir une prestation pour les raisons que j'ai évoquées et de pouvoir offrir cette prestation finalement en même temps dans les différentes communes pour éviter un attroupement finalement de personnes, parce que je ne sais pas, si la piscine Marignac était fermée et celle de Carouge ouverte, on voit tout de suite ce que ça engendrerait aussi en termes d'occupation du site, hein, qui serait très problématique. Donc effectivement, ça demande toujours une très grande réflexion avec les différents services pour trouver la réponse la plus adéquate possible. Merci beaucoup, Monsieur Renvet, pour toutes vos précisions sur ces différentes questions. Je crois qu'il ressort effectivement que la crise a été bien gérée par le Conseil administratif. Je crois qu'on peut tous et tous ici vous en remercier. Je propose même qu'on puisse les applaudir si ça vous convient. Merci infiniment, et je crois que les Lancéennes et les Lancéens vous en remercient également. Pour la suite de notre ordre du jour, nous passons aux nouveaux objets au point 4, projet de délibération du Conseil administratif. C'est une entrée en matière concernant les locaux parascolaires et la crèche Chemin des Rambassons pour la régularisation foncière. Et je passe la parole à M. Lorenzini. Merci. Voilà, merci M. le Président. Donc ce dossier, vous le connaissez bien puisque vous avez voté des délibérations qui concernaient la construction des immeubles, des parties d'immeubles, l'une pour accueillir une crèche de 50 places et l'autre pour la réalisation d'un restaurant scolaire et de locaux parascolaires. C'était le 24 janvier 2019. Depuis lors, l'autorisation de construire a été obtenue par les développeurs du projet. Et maintenant, il faut procéder à la régularisation foncière, au passage en PPE des différents immeubles pour que la ville de Lancy puisse être propriétaire des lots concernant les deux objets, donc le parascolaire et la crèche. Procéder également à l'inscription des servitudes et des cessions au domaine public, notamment le long du chemin des Rambassons et dans le cadre de la Chambre verte à l'angle avec le chemin des Smailles, pour permettre la réalisation et surtout que les partenaires de la ville de Lancy puissent mettre en place leur montage financier, obtenir leur crédit de construction. L'objectif étant de pouvoir ouvrir un chantier le plus rapidement possible cet automne, chantier qui a pris beaucoup de retard, notamment lié au fait qu'il a fallu passablement de temps pour obtenir la version définitive de l'autorisation de construire. Comme l'a dit votre président tout à l'heure, afin de pouvoir avancer et notamment de ne pas se retrouver avec un délai référendaire qui tomberait en plus pendant les féries judiciaires qui repousseraient les choses passablement, et sachant qu'il y a un vrai enjeu pour la ville de Lancy de pouvoir avancer avec ces deux infrastructures indispensables, le conseil administratif a demandé la clause d'urgence. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour la présentation. Je vais d'abord vous faire voter sur l'entrée en matière pour ce projet de régularisation foncière. Celles et ceux qui l'acceptent, veuillez bien lever la main. Il me semble que nous avons une unanimité. Je vous en remercie. Le bureau propose donc un vote sur le siège assorti de la clause d'urgence. Et bien évidemment, il s'agit aussi d'un vote à majorité qualifiée puisqu'il s'agit d'un droit réel. Je vais donc vous faire voter d'abord sur l'urgence avec une majorité des 2 tiers nécessaires. Celles et ceux qui acceptent l'urgence, veuillez bien lever la main. C'est également l'unanimité, je vous en remercie. Nous allons donc ouvrir les débats. Et y a-t-il des prises de parole sur cet arrêté? Ça ne semble pas être le cas. Je vous propose donc de passer au vote. Celles et ceux qui acceptent ce projet de délibération veulent bien lever la main. Unanimité également. Je vous en remercie. Nous passons au point 5, discussion et objet de retour de commission. Pour la commission des travaux et construction, séance du 2 mars, rapporteur Madame Coringa-Chekrefield, un arrêté pour 200 000 francs concernant le stade des Fraisiers, transformation des vestiaires existants, création d'une buvette et de vestiaires attenants. Pour un crédit d'études, vous avez la parole. De vestiaires insuffisants. Vous m'entendez? Ah, d'accord. Je recommence? Non, je recommence. Les infrastructures existantes du stade des Fraisiers sont vieillissantes. En effet, le complexe est une construction souterraine comportant un nombre de vestiaires insuffisants et relativement vétustes. De plus, il ne contient pas de buvette. On constate qu'il y a de plus en plus de pratiques déstructurées de sport, c'est-à-dire des personnes pratiquant un sport sans faire partie d'une association. On fait référence ici, par exemple, au nombre de coureurs qui s'accroît sur les routes et chemins de la région du stade. On pourrait développer en parallèle des parcours que les joggeurs pourraient suivre en partant du stade. Actuellement, la seule alternative existant à Lancy pour ce type de sportif est le parc des Évaux, où il y a des vestiaires que les gens peuvent utiliser pour se doucher et se changer. Le projet prévoit d'augmenter le nombre de vestiaires aux Fraisiers pour répondre à cette pratique croissante. L'ajout d'une buvette améliorera significativement l'infrastructure, notamment pour les parents accompagnant leurs enfants à l'entraînement. Ce projet n'aura aucun impact sur le nombre de places de stationnement. L'étude devra également prendre en compte la question de la mixité du public dans la zone des vestiaires, ainsi que le coût de fonctionnement induit par cette ouverture de vestiaires au public. Le coût de fonctionnement de la buvette et les risques seront pris en charge par le club. Ce crédit d'étude de 200 000 francs est préavisé favorablement à l'unanimité. Merci beaucoup, Madame Gachet. Il s'agit d'un arrêté. J'ouvre les débats. Y a-t-il des remarques? Madame Benker, oui, merci. Je vous prie d'attendre juste le micro, s'il vous plaît. Allez-y. Je sais pas si c'est... Vu les bienfaits du sport, c'est pas vraiment... Moi, je voulais juste dire, vu les bienfaits du sport, surtout pour la population jeune, le MCG va voter favorablement à la transformation des vestiaires et à la création d'une buvette au stade des Fraisiers. MCG est favorable. Merci beaucoup, Madame Benker. Y a-t-il d'autres interventions? Ça ne semble pas être le cas. Je vous propose donc de voter sur la clause d'urgence. Celles et ceux qui acceptent l'urgence veulent bien lever la main. Il me semble que nous avons l'unanimité. Je vous en remercie. Je vais donc vous faire voter sur cette délibération. Celles et ceux qui acceptent ce crédit d'étude pour un montant de 200 000 francs veuillent bien lever la main. Également l'unanimité. Je vous en remercie. Point 6, un arrêté concernant l'école des Morgines, 1 690 000 francs pour l'assainissement des vitrages. C'est un crédit d'investissement. Pour la commission des travaux et construction, séance du 2 mars, rapporteur Madame Coringa-Chekrefield, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La commune a une obligation légale de changer les vitrages de nombreux bâtiments non conformes. Le projet consiste dans un premier temps à remplacer uniquement les fenêtres tout en permettant une intervention ultérieure sur l'enveloppe du bâtiment, les toitures et les façades. Ces travaux devront être prévus en plusieurs étapes car ils ne peuvent être réalisés qu'en été pour éviter les contraintes liées au calendrier scolaire. Pour cet assainissement, il s'agira de changer les fenêtres en respectant l'ouverture en guillotine, de remplacer les tablettes. Les stores seront alimentés électriquement et des tableaux interactifs seront créés. Compte tenu de l'importance des travaux, ces derniers sont prévus a priori sur 2 ans. Les niveaux supérieurs sont prévus la première année et la deuxième année seulement le rez-de-chaussée pour lequel il n'est pas nécessaire de remonter des échafaudages. Ce crédit d'investissement de 1 690 000 francs est préavisé favorablement à l'unanimité par les membres de la commission. Merci Madame Gachet. Pour la commission des finances et du logement, séance du 12 mars, Monsieur Tierno-Barry, vous avez la parole. Pris juste d'attendre le micro. Merci. École des Morgines, assainissement des vitrages, crédit d'investissement, 1 190 000. En préambule, le magistrat explique que le dossier concerne l'école des Morgines et qu'un plan de rénovation avait déjà été prédéfini par la commune. La vérification des bâtiments scolaires a commencé avant par le Bachet, suivi de l'école de la Caroline, puis de celle des Palettes. La prochaine en liste est celle de Tivoli. Aussitôt que l'autorisation de construire est accordée, viennent ensuite l'école en Sauvie et enfin l'école des Morgines. Le délai est de 5 ans. Il a été décidé de remplacer les vitrages, indique le magistrat. Les murs et la toiture seront rénovés plus tard. En parallèle au remplacement des vitrages, d'autres travaux ont également lieu, comme le montage d'un échafaudage et de travaux systématiques dans les classes. L'idée est de refaire l'installation à neuf et d'équiper les classes avec une installation du panneau tactile. Il existe en effet une politique en vue de remplacer les panneaux dans les écoles, dit-il le magistrat. Des questions relevant de la commission des travaux ont été évoquées par certains commissaires. C'est ainsi que le président de la commission a rappelé que la séance est dédiée aux finances, dont il fallait traiter les questions liées aux finances. Il a ainsi soumis l'arrêté au vote. À l'unanimité, le crédit d'investissement pour l'école des Morgines a été accepté. Merci beaucoup, Monsieur Barry. Il s'agit d'un arrêté. J'ouvre les débats. Y a-t-il des interventions, Monsieur Brunier? Merci, Monsieur le Président. Siégeant dans ces deux commissions, j'ai soulevé le même problème et je n'ai pas à ce jour entendu la réponse. Donc, la question était la suivante. Les travaux qui sont faits sur 2 ans, je trouvais que c'était inutile. On pouvait faire les travaux sur une seule année en divisant, en multipliant le nombre d'entreprises. À place de prendre une entreprise pour faire les travaux, on aurait pris 2 entreprises, ce qui aurait, à titre, certainement pour la Commission des finances, coûté moins cher de faire tout en même temps que de recommencer de nettoyer les travaux. Et j'attends toujours cette réponse. Merci, Monsieur Brunier. Y a-t-il d'autres interventions, peut-être une réponse du Conseil administratif, Monsieur Lorenzini? Volontiers, Monsieur le Président. Alors, la réponse, elle a été donnée en commission. Elle est qu'à ce stade des études, on a entendu votre remarque, on est rentré en matière sur le fait qu'on procéderait à un appel d'offres public, puisqu'il s'agira d'un appel d'offres public avec la création de 2 lots permettant de dédoubler les entreprises, mais que malgré ça, on a de gros doutes sur le fait d'arriver à faire ces travaux. Comme vous le savez, dès l'année prochaine, les vacances d'été seront même écourtées, puisqu'il y a une nouvelle planification scolaire, ce qui laissera 7 semaines en période d'été, qui est toujours une période quand même, même si on la planifie, il faut quand même toujours tenir compte d'un effectif un peu réduit. Donc on a de gros doutes d'y arriver, mais tout sera mis en œuvre pour essayer de répondre à cette demande par le service des travaux. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Y a-t-il d'autres interventions? Ça ne semble pas être le cas. Je vais donc vous faire voter sur la clause d'urgence. Celles et ceux qui acceptent l'urgence veulent bien lever la main. Nous avons, je crois, l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons donc au vote de ce projet de délibération pour un crédit d'investissement de 1 690 000 pour l'école des Morgines, assainissement des vitrages. Celles et ceux qui l'acceptent veulent bien lever la main. Également, l'unanimité. Merci infiniment. Point 7 qui clôturera notre séance du jour concernant le Stade des Fraisiers pour un crédit d'études et d'investissement de 2 900 000 francs pour la transformation du terrain A de naturel en synthétique. Pour la Commission conjointe des sports et du développement durable, séance du 3 mars, rapporteur Madame Céline Rosselet, vous avez la parole. Président. La démarche de travail a porté sur différents points. L'analyse du besoin réel, les alternatives de jeux délocalisés, les types et ou technologies de terrain, l'évaluation des coûts, L'établissement d'une analyse neutre par le service de l'environnement, le service des sports et le Lancy FC. Les différents types de terrains posent les problématiques suivantes. Le terrain dit de système hybride est un produit idéal, à moitié naturel. Malgré des pluies diluviennes, il est quand même possible de jouer dessus. Son important coût de construction et d'entretien et son impact environnemental, en particulier les engrais nécessaires pour le maintenir, semble néanmoins disproportionné pour l'usage. Le terrain dit synthétique est différent au niveau du jeu et pose des problèmes de chaleur environnante. Mais il n'est pas touché par les conditions météorologiques. Il a aussi un impact environnemental, comme il s'agit d'une moquette. Le terrain naturel ne peut pas être utilisé dans toutes les conditions météo. De plus, à cause des coûts liés à son entretien et sa rénovation, des sollicitations du Lancy FC et des contraintes climatiques, le terrain actuel du Stade des Fraisiers ne répond plus aux besoins de la commune. Le choix s'est donc porté sur le terrain synthétique, tout en imposant quelques contraintes. Il était surtout impératif que l'utilisateur principal, le Lancy FC, valide le principe de changer d'un terrain de football naturel à un terrain synthétique. Les présidents ont donné leur accord pour un principe synthétique. Par ailleurs, pour limiter l'impact environnemental, l'idée est de réutiliser les matériaux graveleux de sous-sol pour l'infrastructure du terrain. La proposition est également de gérer l'eau par infiltration dans le sol, afin qu'une grande partie puisse être utilisée pour l'arrosage du terrain et des aménagements en périphérie. Les différences de niveau seront retravaillées avec des matériaux naturels ou recyclés. Le renouvellement de ce terrain a été coordonné avec le projet porté par le service des sports et le service des travaux, qui consiste à réaliser une buvette et un vestiaire afin de mutualiser pour d'autres sports que le football. Le terrain reste dans la même périphérie que le terrain actuel. Un abattage doit être effectué le long de la clôture sur le haut de la parcelle. Le crédit d'étude comprend toutes les infrastructures souterraines, sachant que les drainages du terrain de football naturel sont obsolètes et doivent de toute façon être changés. Les moquettes, les marquages, le mobilier sportif, l'aménagement périphérique. Le crédit d'études et d'investissement de 2 900 000 francs pour la transformation du terrain A du Stade des Fraisiers de naturel en synthétique a été accepté à l'unanimité par la Commission. Merci beaucoup, Madame Rosselet. Il s'agit d'un arrêté. J'ouvre les débats. Y a-t-il... Oui, Monsieur Couteau. Merci, Monsieur le Président. Donc, le groupe MCG va voter favorablement à ce crédit d'études, vu que à long terme, nous pensons que ça va être plus économique pour la commune d'avoir des terrains de foot synthétiques. Il y a toujours des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre, mais c'est vrai que ce qui prime actuellement, c'est l'aspect financier. Et il nous semble qu'effectivement, en optant par cette solution-là, au niveau des finances pour la commune, ça sera plus favorable. C'est pour ça qu'on est d'accord de voter ce crédit d'études. Merci. Merci, Monsieur Couteau. Mademoiselle Marmy. Merci, Monsieur le Président. Ce soir, je refuserai le crédit d'études et d'investissement pour le terrain synthétique des Fraisiers, et ceci pour plusieurs raisons. C'est le dernier terrain en herbe d'entraînement. Il vaut mieux des entraînements sur l'herbe, moins nombreux que sur un terrain synthétique envahi. Il n'y a pas d'étude à long terme sur l'utilisation d'un tel terrain pour la santé. La première équipe joue ses matchs sur l'herbe. Il est plus judicieux qu'elle s'entraîne sur la même matière, surtout pour des entraînements 5 fois par semaine. Pour moi, il est important de garder ce dernier terrain en herbe, même si je comprends les besoins de la commune. Merci, Mademoiselle Marmy. Monsieur Fogel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne suis pas non plus un fan absolu d'un terrain synthétique, mais je voulais juste rapidement rappeler qu'en commission, il nous a été donné la garantie que le granulat serait fait de fibres de coco ou de liège. Et donc, sur la partie environnementale, en tout cas, on pouvait être rassuré avant de passer au vote. Voilà. Merci, Monsieur Fogel. Y a-t-il d'autres remarques ou prises de parole? Ça ne semble pas. Oui, pardon, Monsieur Renvet, allez-y, je vous en prie. Oui, juste un petit mot pour rappeler que ce terrain des Fraisiers n'est pas du tout dévolu à la première équipe, comme Mme Marmy le laisse entendre. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nos infrastructures, ben, on ne peut pas les développer outre mesure. Les stades existent, on ne peut pas développer d'autres stades. Et donc la réalité est très simple. On a, comme vous le savez, le plus grand club de Suisse. On a un très grand nombre d'équipes qui jouent. Et on a, si vous voulez, deux, si j'ose dire, navires amiraux du Lancy FC, c'est-à-dire Florimont pour le Petit Lancy et les Fraisiers pour le Grand Lancy. Et donc, pour ces deux stades, on a un très, très grand nombre d'enfants. Pour les Fraisiers, c'est donc, comme j'ai dit, le Grand Lancy. Donc, ça veut dire qu'on a toutes les écoles de foot qui jouent sur ces terrains, ensuite toutes les autres catégories de jeux. Et donc, ça veut dire que ben, nos terrains sont extrêmement sollicités. Et pour pouvoir répondre à ces entraînements de toute cette jeune population de notre commune, eh bien, en fin de compte, comme je l'ai dit, comme on ne peut pas étendre à l'infini les stades, eh bien, effectivement, la seule solution qu'on a pour rentabiliser au mieux ces terrains, c'est de passer en synthétique, puisqu'effectivement, comme ça a été évoqué, vous le savez très bien, quand on arrive à l'automne, quand on arrive à des moments où il peut pleuvoir, où il fait froid, etc., eh bien, vous avez deux solutions. Soit vous jouez et vous abîmez le terrain, il est dans un tel état que vous ne pouvez plus jouer après pendant des semaines pour le remettre à niveau. Ou alors, à contrario, vous ne jouez pas. Et dans ce cas-là, bah, ça veut dire que pendant des semaines, il n'y a pas de jeu qui peut se faire. Et donc, il n'y a pas d'entraînement possible. Et donc, là aussi, encore une fois, pour toutes ces raisons-là, bah, il est finalement à peu près indispensable de passer en synthétique. J'ajouterai encore que toutes les jeunes générations, de plus en plus, jouent sur du synthétique, s'entraînent sur du synthétique, font des championnats sur du synthétique. Et donc là aussi, ça a du sens parce que finalement, sportivement, j'entends, eh bien, ça veut dire aussi que finalement, ils s'entraînent sur le type de revêtement sur lesquels ils ont aussi leur propre compétition. Merci beaucoup, M. Renvet. M. Bonfanti, vous voulez ajouter un complément ? Je vous remercie. On va y arriver. Juste pour revenir par rapport à l'élément de la santé publique, j'ai relevé un élément sur Internet, j'en ai profité. J'ouvre les guillemets. L'évaluation des études scientifiques européennes et américaines réalisées entre 2004 et 2015 permet de conclure que les pelouses synthétiques provenant des pneus usagés ne présente pas de risque particulier pour la santé des sportifs et des spectateurs, a écrit d'ailleurs l'Office fédéral de la santé publique dans un document publié en mai 2017. Jusqu'à ce jour, il n'a pas été prouvé que les terrains synthétiques posent des problèmes sur la santé des spectateurs et évidemment, bien entendu, des joueurs. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bonfanti. Y a-t-il d'autres prises de parole sur cet objet? Oui, Madame Villaroubia. Merci, Monsieur le Président. Je ne suis pas fan de foot. Vous m'avez entendu parler pendant 5 ans de ça. Ça n'appelle pas de réponse. Je voterai positivement. Simplement, j'espère vraiment que la commune pourra mettre autant d'argent pour diversifier les pratiques sportives pour tous les enfants, pour tous les jeunes et pour toute la diversité qu'on a et la richesse qu'on a à Lancy. Et vraiment, j'espère finalement qu'on puisse mettre autant d'argent que ces 2 900 000 aujourd'hui et tout ce qu'on met pour le FC Lancy, pour d'autres sports, notamment, je dirais, la grimpe et d'autres choses. Voilà, c'est tout. Merci. Merci, Madame Villaroubia. Y a-t-il d'autres prises de parole? Si ce n'est pas le cas, je vous propose déjà de voter sur la clause d'urgence. Celles et ceux qui acceptent l'urgence veuillent bien lever la main. Je crois que nous avons également tout le monde. Unanimité, je vous en remercie. Et donc sur le vote final de la délibération pour 2 900 000 francs pour la transformation du terrain A de naturel en synthétique du stade des Fraisiers, crédit d'études et d'investissement, celles et ceux qui l'acceptent veuillent bien lever la main. Et nous allons, donc, je pense, compter, ou alors il manque... Bon, alors on va peut-être le faire par la négative, celles et ceux qui le refusent. 3 refus. Celles et ceux qui s'abstiennent, 2. Très bien, c'est donc accepté et je vous en remercie infiniment. Mesdames et messieurs, je vous remercie toutes et tous pour votre présence et votre participation ce soir à cette séance un petit peu spéciale et extraordinaire. Je remercie une nouvelle fois tous les services de l'administration qui ont permis l'installation de cette salle, toutes les personnes de l'équipe technique qui ont pu permettre la retransmission ce soir sur le web, sur notre site officiel ainsi que sur la page Facebook de la commune. Je salue les personnes qui y ont assisté sur ces deux plateformes. Ce cycle, donc notre séance extraordinaire du 28 mai 2020, et je vous souhaite une excellente soirée.